prochain morceau s'appelle Seko. Seko, ça parle des femmes. Ils ont tellement de la force. Donc, on a derrière eux. Merci, Antti. Pour tout mon connaît
brigada de Guimorro Manjá. Você prochain morceau s'appelle Nyani Nyani, c'est la souffrance. Merci. Iyo ne bilema, adao watara
barika. Bonjour Adaou. Bonjour. Bienvenue à la maison de Bégon, sur le plateau de la bobine. Merci beaucoup, avec plaisir d'être ici. Bah oui, avec une interview en direct live avec ton orchestre. Tout à fait. Tu peux nous parler un petit peu de ce projet, qui est récent, je crois. Ah oui. Bah, explique-nous un peu les origines de ce pourquoi vous êtes là depuis lundi en résidence. Oui, parce que là, le projet, je l'ai commencé depuis ici, quand on est arrivé en France. J'ai un ami Adama qui a studio, donc grâce à lui j'ai réussi à faire ma maquette. Donc après la maquette, je me suis concentré après pour aller en Afrique, à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour faire l'enregistrement avec mon groupe qui sont là-bas. Donc après l'enregistrement, je suis revenu ici. D'accord. Pour finir j'ai fait ma mastering ici et mixage. D'accord. Voilà. Donc c'était la première étape du projet, en fait. Voilà, c'était la première étape. J'ai bien tout compris. Donc voilà. L'album a déjà été enregistré. C'était une première étape, donc avec plutôt des chants et des instruments traditionnels, c'est ça, là-bas, tout à en fait. Côte d'Ivoire, c'est oui, ça. Côte d'Ivoire. À la base, voilà. C'était vraiment l'album. Elle est basé sur le concept percu, en fait. Mais il y avait des guitares. Ouais, il y avait la guitare et piano, batterie. D'accord. Balanfond. Ok. Voilà. Mais là. Après, j'ai pensé, pourquoi pas agrandir le projet. D'accord. Voilà, donc j'ai essayé de mettre la traduction un peu à côté pour faire un mélange en européen. D'accord, une sorte de fusion afro. Très bien, afro, okay. Un peu de mélange, rencontre. Ok, super. Voilà. Très bien, donc là vous êtes 6 sur scène. Ah oui. Tu peux nous parler un peu de comment est-ce que vous êtes rencontrés tous ensemble? Parce qu'on connaît Cyril, c'est un habitué de la maison de Bégon. Tout à fait. On connaît un petit peu Eric Plaisant, ça fait quelques fois qu'on le voit. Donc parle-nous un peu, comment est-ce que vous êtes rencontrés tous ensemble? Ok, donc premier d'abord, j'ai fait un petit, chez nous au Bled, on dit Gombo, un petit spectacle. D'accord. Donc ouais, y a une fille, je sais pas l'endroit, c'est un petit village, comme un coin de Akei. Voilà, donc on m'avait appelé pour un petit spectacle là-bas. Okay. Celle-là, Cyril aussi, ils l'ont appelé. Donc, on ne se connaissait pas. D'accord. Donc, on nous a proposé, tu vas jouer avec quelqu'un qui s'appelle Cyril. Ok. J'ai dit, moi, ça ne me gêne pas, j'aime bien mélanger. Et puis, j'aime bien la rencontre. J'aime bien rencontrer les autres artistes, musiciens. Ok. Voilà, donc, arrivé là-bas, j'ai trouvé Cyril. On a changé un peu, après, j'ai branché mon balanfond. Il a branché son saxo, guitare, tout. Donc après, on a essayé d'échanger, on dit voilà ce qu'on va faire. Vous êtes parlé musicalement? Ouais, on s'est parlé musicalement. Au fait qu'on est tous des professionnels, ouais. Donc
ça passe, okay. ça glissait tout de suite quoi. Super. Donc c'était bien. Vraiment. Donc vous êtes rencontrés autour d'un bœuf, voilà, finalement vous avez buffé ensemble et ça a matché. Et donc tranquille. Du coup le projet est né. Donc voilà, okay. Les gens ont aimé. Et vous aussi, vous avez aimé surtout. Ah oui, nous on a aimé. Moi aussi, je suis très content de le croiser avec le petit partage qu'on a fait. Mm. C'est ça qui m'a fait voyager un peu dans la tête. J'ai dit ok, pourquoi pas. Donc après, je l'ai appelé, j'ai dit bon, je pense à autre chose par rapport à mon album. J'ai envie de mettre un groupe en place. Okay. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et donc là, vous avez combien de morceaux déjà pour cet album dont tu nous parles? Sur l'album, il y a 12 morceaux. 12 morceaux, ok. Oui, donc là, on a vu quelques extraits là, qu'on a filmés ici là, sur le plateau. Donc c'est cool, hein, ça, très bien. Ça groove bien, on sent bien le mélange afro et musique un peu plus on va dire anglo-saxonne, quoi, avec le trio guitare, basse, batterie derrière. Donc ça fait un bon mélange. Tout à fait. Ça met le sourire, ça met la banane. Vous avez des projets pour l'avenir? Ah oui, on pense à... Vraiment, quand tu fais quelque chose, il faut penser loin. Voilà, ce projet qu'on a mis en place, c'est pour faire des tournées et c'est pour faire des démarches. Beaucoup de choses en tête, au fait. Il faut toujours penser à aller loin. Donc, je pense qu'on va arriver. D'accord. Un projet d'enregistrement, peut-être? Oui. Ouais. Oui, chaque fois je parle. Là, on a commencé un niveau création de déjà. Okay. Voilà, ça c'est la musique de l'album déjà. Okay. Mais on a déjà commencé à créer. Super. Ouais, et des concerts de prévu peut-être? Non, c'est un peu compliqué en ce moment. Là, avec le Covid, tu vois, donc c'est un peu. Mais on a commencé déjà les démarches, les courses. Je n'ai pas mal d'adresses de festivals pour le moment. D'accord, qu'il faut démarcher maintenant pour voir s'ils sont. On va essayer si ça va être possible de lancer des candidatures. Ok. Et puis voilà, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et bah super, que des bons projets pour l'avenir en espérant que ça aboutisse tout ça et que vous gardiez le sourire tous les six sur scène. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et, tout à fait. Et on espère qu'on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Voilà, merci à tous. Et puis super sympa cette interview. C'est la première fois qu'on fait ça, une interview en musique en direct. Ça, c'est très bien, ça pose l'ambiance. À bientôt, Adaou. À bientôt. On dit merci aussi à vous tous de nous accueillir ici. Bah, c'était un vraiment plaisir. Avec un grand plaisir. C'est gentil, on fait partie tous aussi des enfants des maisons aussi. Exactement. Donc je pense qu'on ensemble, on va faire beaucoup de choses ensemble aussi. Yes, plaisir partagé. Okay, vraiment, merci beaucoup à tout le monde, à Sam, tout le monde. Yes, et on se dit à très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt, Adaou. Ciao. Au revoir.